C'est un sport assez ludique. Donc on part d'un point A à un point B. Donc il n'y a pas de trous comme au golf classique. Les trous, ça va être du mobilier urbain, comme une poubelle, un banc, un panneau. Le but, c'est d'aller taper en moins de coups possible l'objectif. Le principe, c'est que chaque joueur va taper une balle du point de départ. Ensuite, on va garder la meilleure balle des trois joueurs et ils vont tous retaper de la meilleure position. Premier pouce comme ça, de ta main gauche. Ensuite, tu viens juste fermer sur le pouce et tu mets l'autre pouce pareil, dessus comme ça. Okay. Quand elle est vraiment injouable, on pose le club vers l'arrière. On prend la balle. On prend la balle et on la pose juste là. Et là, elle est vraiment jouable. C'était très sympa. Alors on a pu vraiment passer un moment agréable de découverte. Et puis même, ça permet de visiter Carantec très très simplement, de manière ludique. Vous avez déjà joué au street golf avant? Jamais, jamais, jamais. J'ai découvert qu'il y avait un championnat national et européen. Donc, que Carantec était en plus, écoutez, le premier. Numéro 1 en France là-dessus, donc c'est doublement marrant. Et puis bon, il y a l'air d'avoir une équipe très jeune, dynamique, et qui ont envie de faire partager ces moments-là.